Le SIGARGF Demo est une application qui se présente sous la forme d'une interface cartographique classiquement rencontrée sur Internet, avec une barre de menu en haut de l'écran, composée de différents onglets, dont les icônes aident à l'identification des différentes fonctionnalités. Une icône donnant accès à un outil de recherche de toutes les données RGF. Une icône pour permettre l'extraction des données depuis la base de données RGF. Une autre pour accéder à la documentation en rapport avec le chantier régional traité. Une icône pour accéder à la documentation en rapport avec l'application en cours des démonstrations. Une autre pour l'accès au lexique du chantier. Et enfin, une boîte à outils permettant de se localiser, de dessiner ou encore de mesurer des distances. En complément, la possibilité d'imprimer ce que vous voyez à l'écran, le gestionnaire de couches, et enfin, la légende ouverte ici à droite de l'écran. En bas à droite, la localisation cartographique à une échelle plus petite de la zone que nous observons actuellement. Cette zone est centrée sur le massif des Vosges à l'ouest et le fossé Rhénan à l'est. En haut à gauche, les outils de navigation permettant de zoomer, dézoomer, se déplacer et changer de fond de carte. Revenons au contenu des lexiques RGF. Ces lexiques regroupent toutes les informations et codifications à partir desquelles ont été retraitées les données qui vous sont présentées. Le lexique des unités lithostratigraphiques, celui des structures, des lithologies, des événements génétiques et géodynamiques, les horizons pointés à partir des profils sismiques, des faciès, surface isochrone et cycles définis à partir de la stratigraphie séquentielle. Le lexique des unités lithostratigraphiques répertorie toutes les informations géologiques existantes dans les zones étudiées en surface, mais aussi en profondeur. Elles sont hiérarchisées selon la Convention stratigraphique internationale. Supergroupes, groupes, formations, membres, avec leur nom, code et âge. Le même principe est appliqué au lexique des structures géologiques.